Chers élèves, bonjour. Je suis sûr que chacun se pose la question, pourquoi au lieu d'être entre les quatre murs de vos salles de classe, vous vous retrouvez ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les classes ont été transférées ici, mais c'est pour le même objectif. Écoutez attentivement. Si vous suivez attentivement, on a déjà tout dit, chacun avec son cahier, son bic. Chers parents, bonjour. Bonjour, monsieur. Chers élèves, bonjour. Bonjour, monsieur. Je crois que ce pourquoi nous sommes ici vous a été déjà résumé en synthèse par le directeur régional de l'éducation. Avant de rentrer dans le détail, on va essayer de déblayer le terrain. Nous allons faire comme les enfants qui sont au jardin d'enfants. Vous êtes nombreux à passer par le jardin d'enfants, non? Qui sont ceux qui sont passés par le jardin d'enfants? Très bien. Comme c'est la première fois que nous nous voyons, eh bien, nous allons nous saluer d'abord bien, comme le font si bien les enfants du jardin d'enfants. On va chanter, n'est-ce pas? Alors, chantez avec moi alors. Bonjour les amis, tapez la main. Un beau jour commence, et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour, bonjour à ce beau jour. Bonjour les amis, un beau jour commence, et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour, bonjour à ce beau jour. Saluez-vous maintenant. Alors, moi je vais la saluer, bonjour. Saluez-vous entre vous. Saluez-vous. Un bas pour vous. C'est bon. Nous sommes là pour une activité que le ministre des enseignements primaires et secondaires a instituée depuis l'année passée. La culture de l'excellence appliquée aux élèves. Et la deuxième, préalable pour une orientation scolaire réussie. Je voudrais que vous compreniez très bien le libellé. Culture de l'excellence appliquée aux élèves et préalable pour une orientation scolaire réussie. Avant que je n'entre dans les détails, comprenez ce que signifie une conférence d'actualité. La réussite d'un apprenant ne se limite pas seulement à ce que vous apprenez en classe. Calcul, philo, mathématiques, anglais, non. Il y a ce qu'on appelle les modes d'apprentissage. Le premier mode d'apprentissage, c'est ce que vous faites avec vos enseignants en classe. Ça, c'est le premier mode d'apprentissage. Le deuxième mode d'apprentissage, supposons que on a placé un écran ici. Moi, je suis à Lomé ou je suis à Paris, je suis n'importe où dans mon bureau et il y a la connexion. Je vais animer ma conférence à partir de mon bureau. Vous me voyez, moi aussi, je vous vois. Ça s'appelle cours en... Très bien, c'est un deuxième mode d'apprentissage. On apprend aussi par ce canal-là. Un autre mode d'apprentissage, c'est les conférences d'actualité dont les thèmes viennent compléter votre éducation, votre formation. Qui n'a pas compris maintenant? Vous avez saisi, non? Si vous n'avez pas saisi, je reprends. Je dis bien, il y a trois modes d'apprentissage. On apprend par trois façons. La première, c'est ce que vous faites avec vos enseignants en classe. Ça, c'est le premier mode d'apprentissage. Le deuxième, l'enseignant peut ne pas être présent en classe, il est dans la salle de professeur, mais s'il y a la connexion Internet, il peut dispenser le cours, vous le voyez en image, lui aussi vous voit, comme s'il était présent. Ça s'appelle cours en
ligne. L'autre mode d'apprentissage, c'est les conférences d'actualité, où on prend un thème qu'un spécialiste peut venir développer et ce qu'il développe vient compléter votre éducation de telle sorte que quand vous sortez demain de l'école, que vous avez les capacités opérationnelles, les compétences, qu'on appelle compétences de vie courante, pour que dans toutes les situations de la vie, que vous soyez capable de réagir comme quelqu'un qui est effectivement passé par une école. Qui n'a pas compris? C'est compris maintenant? Parfait. J'ai bien dit que c'est deux thèmes qu'on va développer, n'est-ce pas? Mais avant que je ne développe les deux thèmes, il est important que je vous rappelle ce que le ministre des enseignements primaires secondaires, en instituant les conférences d'actualité et en retenant les thèmes que nous sommes en train de développer dans les écoles, ce qu'il attend de chaque élève du Togo. Je dis bien chaque élève du Togo parce que le gouvernement lui a confié une mission de faire en sorte que tout enfant qui sort de l'école soit un élève de qualité. Vous allez probablement me demander qu'est-ce que le ministre attend de chaque apprenant du Togo, n'est-ce pas? Il attend trois choses de chaque élève du Togo. Quel que soit l'établissement dans lequel vous êtes inscrit, est-ce que c'est dans l'enseignement technique? Est-ce que c'est dans le privé? Est-ce que c'est dans l'éducation publique? Il attend trois choses. Et si le ministre dit qu'il attend trois choses, sachez que c'est le gouvernement qui attend de vous. C'est le chef de l'État qui attend de vous. Donc, chaque élève du Togo, les trois éléments. Avant que je ne vous décline les trois éléments, je vais vous rappeler ce que vous ne devez jamais oublier. Vous ne devez pas oublier que un enfant qui passe par l'école, c'est un investissement de l'État, c'est un investissement des parents, c'est un investissement des enseignants et c'est vous-même aussi votre propre investissement. Quand quelqu'un fait un investissement, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un retour sur l'investissement. Ou bien c'est pas ça? Personne ne veut faire un investissement à fond perdu. Ou bien c'est pas ça? Très bien. Donc, le ministre attend de chaque élève qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et le retour sur l'investissement m'amène donc à vous dire les trois éléments. Donc les trois résultats qu'on attend de chaque apprenant, c'est ça qui est le retour sur l'investissement. Le premier, il attend que vous excellez dans les matières aussi bien obligatoire et dite facultative dans les écoles. C'est-à-dire, quand on dit exceller, vous devez être les meilleurs quand on va faire une évaluation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est le retour sur l'investissement que je viens d'expliquer comme ça. Hein. La deuxième chose, l'autorité ou le ministre attend de chaque élève du Togo que vous soyez respectueux du règlement intérieur, respectueux des enseignants, respectueux des parents et respectueux vous-même entre vous. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, c'est le deuxième retour sur l'investissement. Le troisième et dernier élément que l'autorité attend de chaque élève du Togo, c'est que vous tenez compte des conseils que vous donne les spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle. Parce que depuis 2 ans, le ministre a fait l'effort avec l'accompagnement du gouvernement pour doter chaque direction régionale de l'éducation d'au moins 3 spécialistes de l'orientation. Et ils font pour l'instant l'effort. Ils n'ont pas encore couvert toutes les écoles, c'est vrai, mais ils font l'effort petit à petit d'aller dans les écoles pour faire des entretiens avec les élèves pour que vous sachiez ce que vous devez connaître des questions d'orientation pour qu'à la sortie de l'école, qu'on ne vous voit pas raser les murs, que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc, c'est les trois éléments et donc c'est les trois retours sur l'investissement qu'attend
l'autorité, qu'attendent les parents, qu'attendent les enseignants et que vous-même, vous devez même vous y attendre aussi. Qui n'a pas compris? Vous avez compris les trois retours sur l'investissement qu'on attend de vous? C'est comme quelqu'un qui fait le commerce, mais il attend un bénéfice ou bien ce n'est pas ça? Le bénéfice en question, c'est ça qu'on appelle le retour sur l'investissement. Premier élément, vous devez vous battre pour être les meilleurs quand on fait les évaluations. Deuxième élément, vous devez être respectueux du règlement intérieur des enseignants, des parents, des autorités. Troisième élément, vous devez tenir compte des conseils qu'on vous donne sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle. Qui n'a pas compris? Comme vous avez compris, on va maintenant aborder une des thématiques. Dites-moi, vous voulez que je commence par laquelle? Culture de l'enseignement appliquée aux élèves ou bien vous voulez qu'on commence par préalable pour une orientation scolaire réussie? Vous voulez qu'on commence par laquelle? Préalable. Préalable. Très bien. Comme c'est préalable que vous avez choisi, je vous explique que moi, je ne suis pas le spécialiste de l'orientation, n'est-ce pas? Mais je m'y connais sur les questions d'orientation parce que c'est quand même 15 ans de travail que je suis en train de faire dans le domaine de l'éducation et qui donne aujourd'hui, disons, ce résultat que je suis en train de partager avec vous tous. Quand on dit préalable pour une orientation scolaire réussie, ce qu'il faut comprendre, c'est les informations que vous devez connaître avant de rencontrer un spécialiste de l'orientation. Il y a des informations que vous devez connaître avant de rencontrer un spécialiste de l'orientation. C'est ça qu'on appelle préalable. Vous avez compris maintenant préalable? Donc c'est pour vous dire que, en fait, je ne suis pas venu ici en train de vous faire de l'orientation avec vous, mais de vous donner des informations dont vous avez besoin avant de rencontrer un spécialiste de l'orientation. Qui n'a pas compris? La personne lève le doigt. J'ai produit un petit document de 2 pages avec 11 points qui touchent les préalables. Ces 11 points, si tu es un élève, tu dois les maîtriser. Mais ne vous inquiétez pas, le document, il sera mis à votre disposition à une seule condition. La consigne que je vais donner pour le document sur le premier thème, c'est-à-dire les préalables pour une orientation scolaire réussie, et le document pour le deuxième thème, ces deux documents, la consigne dans tous les établissements où nous sommes passés est la même pour vous aussi. Chaque élève doit faire l'effort de photocopier vous-même le document. Ça fait juste 5 pages. Je vais entamer le point 1. Le premier élément des préalables, c'est que vous devez savoir c'est quoi l'orientation. L'orientation, c'est un processus qui permet à un apprenant de faire un choix porteur de réussite. Comment tu dois procéder pour pouvoir choisir un métier de demain qui soit profitable pour toi? C'est ça que ça veut dire, faire un choix porteur de réussite. Ça, c'est le premier élément que vous devez savoir. Le deuxième élément que vous devez savoir, c'est que pour faire un choix, il y a une méthode que vous ne devez pas rater et manquer. Il y a 3 étapes. La première étape, je veux embrasser un métier demain. Je dois chercher les informations sur le métier. Première étape. La deuxième étape, je vais interroger en présence de mes parents et du spécialiste de l'orientation. Je vais interroger les informations que j'ai collectées avant d'aller à la décision. Si vous commettez l'erreur de sauter une des étapes, vous aurez des problèmes demain. Recherche d'informations. Traitement de l'information, décision. Voilà les 3 étapes. Je vous donne un exemple. C'est un jeune comme vous, il est garçon. Il a suivi à la télévision le défilé des militaires le 27 avril. Vous avez vu les bérets rouges, comment ils font la démarche élégante, non? Vous l'avez vu, non? Et quand il les a vus, il a dit non.
moi je vais être béret rouge ou rien, je vais être militaire parce que franchement, c'est trop beau que moi je vais être militaire. Est-ce que quelqu'un peut l'empêcher d'être militaire? Donc on lance le recrutement. Il est allé, il a été effectivement recruté, il a été formé et on l'envoie dans un camp. On l'a envoyé, aujourd'hui il va à la tôle, demain il va à la tôle. La tôle c'est la prison qu'on a mise dans les casernes. C'est-à-dire c'est une chambre où on te confine là-bas, même pour trouver l'air et respirer, là tu ne peux même pas respirer. Donc tout le temps il est en punition, tôle, là, donc dans la prison de la caserne. Qui peut me dire l'erreur que ce jeune a commise? Quelle erreur il a commise? Oui? C'est la précipitation. Il s'est précipité. Qui peut améliorer sa réponse? Quelle erreur il a commise, ce jeune? Il n'a pas eu les étapes de formation. Oui, les étapes. Qui peut encore améliorer? Oui? Il n'a pas manqué des informations. Un triplé! Il n'a pas cherché les informations sur le métier. Voilà l'erreur qu'il a commise. Et donc, ne commettez pas ce genre d'erreur. Le troisième élément, c'est les sources d'inspiration de l'orientation. C'est-à-dire, pour que quelque chose déclenche en moi pour dire ce métier-là, il m'intéresse là. Il y a quelque chose qui va... C'est ça qu'on appelle source d'inspiration. Ça peut être une conférence genre celle que nous sommes en train de faire où on partage des informations, tu te dis, ah, si c'est ça là, ça, c'est ce que moi je vais choisir. Ça peut être une personne ressource, ça peut être une personne de référence que tu as vue dans la société, tu te dis, non, celui-là, je vais l'imiter, c'est un leader, etc. Ça peut être un voyage. Quand vous voyagez, non, ne voyagez pas avec vos yeux ordinaires. Il faut mettre des loupes sur vos yeux et ne pas vous contenter seulement de voir les belles natures, de voir les belles créatures, de voir les bâtiments et autres. Non, il faut voyager en interrogeant ce que vous voyez. Vous avez vu ça? Oui, que cela suscite en vous des interrogations. Quand vous voulez vous orienter, n'allez pas vers des gens qui ne s'y connaissent pas. Ne faites pas le suivisme, parce que celui-ci a pris telle filière, il a réussi, moi aussi. C'est ce que moi aussi je vais prendre. Non? Il faut prendre les informations, n'est-ce pas? Interroger les informations avant d'aller à la décision. Donc, si c'est le suivisme, vous allez rater. N'est-ce pas? Autre élément, que chacun me dise ce qu'il veut faire dans la vie demain. Deux, pas ranger. Votre projet professionnel, je veux dire... Mademoiselle, voilà, dis-nous, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie demain? J'aimerais devenir un enseignant. Très bien. J'aimerais devenir un juge. Juge, très bien. Je veux devenir docteur de l'armée. Docteur de l'armée. Très bien, lève-toi. J'ai envie de devenir footballeur. Ok. Tu veux devenir footballeur? Je veux devenir un médecin. Plus tard, j'aimerais devenir laborantin. J'aimerais devenir docteur. Ce qui est sûr, si on tend le micro à chacun d'entre vous, chacun sait ce qu'il voudrait devenir demain. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, ce qu'il y a de nouveau que je veux partager avec vous, c'est un jour où je suis allé dans une école préscolaire avec les tout petits. Et j'ai appelé 4 ou 5. La première, c'est une fille, je dis, s'il te plaît, viens. Vous avez vu comment je l'ai appelé? Vous avez vu comment je l'ai appelé, non? J'ai dit, s'il te plaît, viens. Quand vous vous appelez entre vous là, hé, c'est un chien, vous appelez ou bien c'est un homme? C'est pour vous dire que c'est à l'école qu'on apprend les bonnes manières. C'est à l'école qu'on apprend le respect de l'autre. C'est très, très, très important, s'il vous plaît. Quand je vais aborder le deuxième thème sur la culture de l'essence appliquée aux élèves là, vous allez mieux comprendre. Donc, je demande à la première, alors, petite, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tous les gros mots que vous avez utilisés là, l'enfant du préscolaire ne connaît pas ça. Hein? Docteur, quoi. Non, 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 non. L'enfant du préscolaire te décrit ce que ses yeux ont vu. C'est ça. Et donc, la première me dit, je veux devenir celui qui pique les gens. C'est qui? Très bien. Donc, vous, ce que vous devez connaître aujourd'hui, c'est que
Le jour où vous êtes en face d'un spécialiste de l'orientation, ne lui dites pas « je veux être docteur ». Dites-lui que vous voulez embrasser les métiers de santé. Oui. Les métiers de santé. Quel est l'avantage de poser la question au spécialiste de cette façon? Le spécialiste de l'orientation va vous décrire toutes les spécialités qu'il y a dans la santé. Et c'est là où vous verrez qu'il y a plein de spécialités. Ça vous permet de voir à quoi vous allez vous accrocher. Sachant qu'aucun homme dans le monde ne peut embrasser tous les métiers de santé. Ou bien, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui est dermatologue, hématologue, etc., etc. Non. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Maintenant, je pose la question au second. Toi, tu veux devenir quoi demain? La petite me dit, je veux devenir celui qui attrape les voleurs. C'est qui? Voilà, vous allez dire gendarme, vous allez dire policier, etc. Mais quand vous serez devant le spécialiste de l'orientation, dites-lui de vous décrire les métiers de sécurité. Très bien. Il va vous décrire plus de 1000 métiers de sécurité. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas que gendarme, il n'y a pas que policier, il n'y a pas que tout ce que nous voyons dans notre environnement immédiat là. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement. Donc, c'est là où vous verrez que, ah, si tel est le cas, puisque j'ai bien dit, pour faire l'orientation, il faut chercher les informations d'abord. Ou bien c'est pas ça. C'est la première étape. La deuxième étape, il ne va pas seulement se contenter de vous citer pour dire, il y a dans le métier de sécurité, il y a tant. Il va vous dire, métier de sécurité là, voilà les atouts, voilà les contraintes, voilà les difficultés, voilà les opportunités, voilà les écoles qu'on fait pour devenir ce que vous voulez devenir. Vous voyez l'avantage de poser la question de cette façon? Je pose la question à un autre. Toi, tu veux devenir quoi? L'enfant du préscolaire me dit, je veux devenir celui qui compte l'argent. C'est qui? Ah, l'enfant voit, on compte l'argent, il ne connaît pas votre affaire de comptable. Il sait qu'on compte l'argent, n'est-ce pas? Et donc, vous allez dire, expert comptable, n'est-ce pas? Et donc, parce que quand vous voulez faire des choix, il faut monter la barre haut, n'est-ce pas? Et donc, devant le spécialiste, dites au spécialiste de vous dire les métiers de comptabilité. Quelles sont les spécialités qu'il y a là-dedans? Il va vous décrire toutes les spécialités et ça vous permet de faire le choix que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas que comptable qui compte l'argent. Hein. Vous savez ça? Oui. Il n'y a pas que ça. Alors, je pose la question à un autre. Toi, tu veux devenir quoi? Que je veux devenir celui qui parle à la radio, à la télé. C'est qui? Très bien. Donc, maintenant, vous devez comprendre que ça s'appelle les métiers de communication. Très bien. Maintenant, quand vous êtes en face du spécialiste d'orientation, ne dites pas que vous voulez être journaliste. Non. Non. Dites, décris-moi tous les métiers de communication, les spécialités qu'il y a dans la communication. Il va vous dire que ceux qui travaillent à Togo Télécom sont dans les métiers de communication. Ou bien ils ne sont pas dedans. Sans eux, est-ce que vous savez que vous n'allez pas voir télé, radio, WhatsApp, appel là? Sans eux, leur travail, vous n'allez pas voir ça. C'est série C, série D, F. Donc, le spécialiste, non seulement il va vous décrire toutes les spécialités, mais il va faire quoi? Il va vous dire quelles sont les matières dans lesquelles vous devez travailler pour être demain, embrasser le métier de communication selon que c'est Togocom ou bien c'est côté média. Puisqu'il n'y a pas que journaliste dans communication. Ou bien, si vous venez à la TVT là, c'est les journalistes que vous allez voir. Mais vous allez voir les ingénieurs, vous allez voir les cadreurs, vous voyez, ceux qui sont en train de travailler là. Est-ce qu'ils ne sont pas journalistes? Mais ils sont dans la communication. Vous voyez ça? C'est ça l'avantage de poser la question de cette façon. Vous voyez? Et donc, je me limite seulement à ces trois exemples, juste pour vous dire la manière dont vous devez poser les questions quand vous êtes en face d'un spécialiste. Dans le préalable, il y a quelque chose que moi j'ai observé au niveau des élèves du Togo, des parents du Togo et autres. Bon, ceux qui sont souvent nommés, quand on dit foire commerciale, foire culturelle, etc., qu'est-ce qui se passe? Les gens ont transformé cette opportunité pour les apprenants d'aller voir l'application de ce qu'ils apprennent dans les mathématiques, les calculs, tout ça, c'est leur application au niveau des métiers. Au lieu d'exploiter ça pour que les enfants apprennent, les gens ont transformé ça à une activité mercantiliste pour prendre l'argent chez les élèves et prendre l'argent chez les parents.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui veut aller à la foire? Tout le monde lève le doigt. Ok, cotiser 1000 francs, 1000 francs. Donc, tout le monde cotise 1000 francs. On aligne les bus, on ramasse les élèves, on va les déverser à la foire. Et nous devons arrêter ça. Pour arrêter, nous faisons la recherche-action au niveau du réseau. En 2015, je suis allé à la foire et j'ai observé. J'ai travaillé avec les doctorants en sciences de l'éducation et j'ai sorti un document. Il est intitulé « Organisation méthodique des sorties pédagogiques ». Organisation méthodique des sorties pédagogiques. Ne vous inquiétez pas, hein, tous les documents que je suis en train de monter et que je vais monter après là, ne vous inquiétez pas. Vous allez les avoir en version électronique. Concrètement, quelle est la réponse qu'on a trouvée? La réponse, c'est la bonne manière quand c'est une école qui organise une sortie pour aller à la foire et autres. Il y a une bonne manière de faire. Qu'est-ce qu'on fait? Supposons que cette partie-là, c'est une classe, n'est-ce pas? Ici aussi, c'est une classe, n'est-ce pas? C'est une hypothèse. Hein? Là, ça aussi, c'est une classe. On peut se dire on a ici 7 classes, n'est-ce pas? Tel que je vous avais posé la question, qu'est-ce que vous voulez embrasser demain là? On donne, chacun prend un bout de papier, il écrit ce qu'il veut devenir demain, n'est-ce pas? Ça c'est pour organiser la sortie ça. Hein? Alors, l'administration de l'école ramasse et on classe. Ceux qui veulent embrasser les métiers de banque et finance, donc on fait leur liste. Ceux qui veulent embrasser les métiers de santé, on fait leur liste. Les métiers de communication, d'agriculture, et d'agro-business, tout ce que vous voyez à la fois là. Et donc, on fait la liste. Et l'administration négocie avec les organisateurs de la foire. Maintenant, quand le bus amène les élèves à la foire, il y a un guide. Ceux qui veulent embrasser les métiers de banque et finance, on les amène au stand banque et finance. Vous allez voir UTB, BTD, il n'y a plus BTD, c'est Aurabank maintenant, et autres, BTCI, et autres. Et donc, c'est avec eux qu'il faut aller échanger. Comme on les a déjà préparés, on met quelqu'un à votre disposition qui vous dit le métier de banque là. Voilà comment. Quelles sont les séries qu'il faut faire? Quels sont les atouts? Quels sont les contraintes? Quels sont les avantages? Quelles sont les opportunités? Quelles sont les contraintes? Et vous notez tout ça. N'est-ce pas? La même chose pour ceux qui veulent les métiers de transformation agro là. On les amène eux aussi. On fait la même chose. Et maintenant, quand vous revenez, ça vous permet de voir, au vu des informations que vous avez reçues, est-ce que vous confirmez ce que vous voulez être demain ou bien vous voulez changer? C'est comme ça qu'on doit organiser la chose. Mais personne ne l'organise comme ça et on prend les enfants, on prend l'argent chez les parents, on prend l'argent chez les élèves et comme vous-même, vous aimez faire photo, selfie, n'est-ce pas? Arrivez, vous faites la photo et puis vous envoyez sur Facebook, moi aussi je suis allé à la foire. Oui, au-delà du fait de se réjouir que vous êtes allé à la foire, il faut que la foi soit exploitée à des fins éducatives. Ce n'est pas une visite touristique. Parce que ce qui se passe là, ça là c'est visite touristique. Et nous devons arrêter ça. Parce que ça ne va pas dans l'intérêt de nos élèves, de nos apprenants, de nos jeunes que vous êtes. Maintenant, je vais vous poser une question que j'ai posée dans toutes les régions. Je vais voir si au moins quelqu'un va sauver l'honneur. Ou bien quelqu'une va sauver l'honneur. Comme une fille a sauvé l'honneur quand je suis arrivé à Thiévieville. La question, elle est simple, mais elle paraît compliquée pour les élèves. Mais j'espère qu'elle sera très, très facile pour vous, parce que voilà, vous êtes dans un milieu très, très calme, et donc vous êtes probablement plus inspiré que d'autres. N'est-ce pas? Alors, la question, je veux savoir pourquoi je vais à l'école. Nous allons à l'école pourquoi? Je vais à l'école pour devenir quelque chose demain pour mes parents. Donc, elle va à l'école pour devenir quelque chose pour ses parents. C'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Je vais à l'école, c'est pour être libre demain, assurer tous mes besoins possibles. Tu vas à l'école pour assurer tous tes besoins de demain. La réponse n'est pas fausse, mais n'est pas la bonne. Je vais à l'école pour devenir quelque chose de grand demain, pour améliorer nos parents. C'est une réponse, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas la bonne. Je vais à l'école pour exercer quelque chose demain dans ma vie et relever mes petits frères et mes petites soeurs. C'est une réponse, elle n'est pas fausse, mais ce n'est pas la bonne. Oui.
Je vais à l'école pour devenir un bon citoyen demain. C'est une réponse. Elle n'est pas fausse. Elle n'est pas la bonne. Je vais à l'école pour acquérir des connaissances qui m'aideront dans ma vie future. Pas mal comme réponse, mais c'est pas la bonne. Oui. Je vais à l'école pour devenir un relève de demain pour ma famille et mon pays. C'est une réponse, mais c'est pas la bonne. Je vais à l'école pour devenir un futur employé demain pour aider mon pays dans son sous-développement. Ok, pour relever le défi du sous-développement de ton pays, ce n'est pas mauvais, mais c'est pas la bonne réponse. Monsieur. Moi, je vais à l'école pour acquérir des compétences et améliorer le futur. Acquérir des compétences et améliorer le futur, c'est pas mauvais, mais c'est pas la bonne réponse. Je vais à l'école pour réussir ma vie. Pour réussir ta vie, c'est pas mauvais, mais c'est pas la bonne réponse. Je vais à l'école pour devenir un sage. Un sage, ce n'est pas mauvais, mais c'est pas la bonne réponse. Alors, suivez-moi très bien. J'ai bien dit que les réponses données par vos camarades ne sont pas fausses, mais ce ne sont pas les réponses la réponse que j'attends. Il y a ce qu'on appelle objectif premier pour lequel nous allons à l'école et les objectifs secondaires. Tout ce que vous avez dit là, ça c'est les objectifs secondaires. Parce que si c'est seulement pour ça que vous allez à l'école, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au lycée, université avant d'être ce que vous êtes. Quelquefois, vous n'avez même pas besoin de mettre pied à l'école, si ce n'est que ça. Vous voyez? Alors, pour vous donner la bonne réponse, au début, j'ai demandé qui sont ceux qui ont fait le jardin d'enfants. Et beaucoup ont levé le doigt, n'est-ce pas? Je vous ramène au jardin d'enfants. Au jardin d'enfants, il y a une activité des éducateurs et des éducatrices qu'on appelle la gymnastique, n'est-ce pas? Alors, au cours de cette activité, qu'est-ce que le tonton ou la tata fait? Elle pose ou il pose des obstacles devant l'enfant, n'est-ce pas? Alors, l'enfant arrive quelque part, il sait. Suivez pas bien, hein? Il sait, c'est-à-dire il réfléchit. Que ici, là, il doit ramper avant de passer par là, n'est-ce pas? Il arrive quelque part, il sait qu'il doit sauter, n'est-ce pas? Il saute. Il arrive au niveau d'un autre obstacle, il sait qu'il doit contourner. Il arrive quelque part, il sait qu'il doit faire quoi? Il doit courir. Voilà ce pourquoi nous allons à l'école. Concrètement, ça signifie quoi? Je vais à l'école pour apprendre à résoudre les problèmes de la vie. Je vais à l'école pour apprendre à résoudre les équations de la vie. Les défis de la vie. Tout ce que vous avez dit là, c'est un défi. Que tu veux relever, tu veux aider ta famille, tu veux devenir tant, c'est des défis. C'est des problèmes. Comment on le fait? C'est à l'école qu'on apprend comment on fait. Et ça m'amène rapidement à vous donner un exemple. C'est un monsieur qui n'a pas compris l'importance de l'école, mais il a des têtes de bœuf. Ça peut faire la moitié de Wame ici. Hein. Et je lui dis, mais papa, est-ce que tes 6 enfants là, est-ce qu'ils sont... Tu les as mis à l'école? Oh, il tape sur moi, il dit, mais petit, oh, vous, votre affaire d'école là. Mais l'objectif de l'école, c'est quoi? C'est de trouver l'argent. Si je vends 2-3 têtes de bœuf, mais nous avons déjà l'argent. Et puis, l'enfant là, il va aller à l'école pour faire quoi? Donc, il n'a rien compris, n'est-ce pas? Il n'a pas compris ce que vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? Et j'ai commencé par lui expliquer. Je dis, papa, tu sais, si tu mets tes enfants à l'école, un d'entre eux, tu vas vendre, hein, gagner l'argent là, l'argent dont tu parles là. Tu vas gagner l'argent là, tu mets dans l'éducation de l'enfant. Le premier va devenir docteur vétérinaire pour gérer ton bétail. Le deuxième va faire banque et finance. Tout ce que vous avez dit là, banque et finance pour gérer l'argent du bétail. Donc, c'est un expert comptable. Le troisième va créer IFAD Barkwasi. Au Togo, c'est l'État qui a créé, non? Mais allez dans des pays, vous allez voir, c'est une seule personne qui a créé ça. Donc, pour faire la transformation des produits laitiers et de la viande. Donc, il va mettre une chaîne de valeur pour transformer la viande en saucisse et tous les dérivés. Un autre, lui, va faire l'enseignement technique, hein,
série mécanique et tous les appareils, les machines et autres, c'est lui qui va faire la maintenance. Un autre, lui, il va faire action commerciale, force de vente, et c'est lui qui va vendre la viande dans des cargos frigorifiques dans le monde entier. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de milliards, là? Voilà. Vous voyez? Donc, je lui ai dit ce que chaque enfant pourrait faire pour que cette société-là soit une société pérenne. C'est-à-dire qu'après sa mort, même 100 ans, là, la société va vivre jusqu'à l'éternité, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ou bien c'est pas ça? C'est pour ça que vous allez voir en Europe, il y a des noms des sociétés qui ont pris naissance depuis avant que nous on ne naisse. Ces sociétés-là sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons à l'école. On apprend à résoudre les équations de la vie, à résoudre les problèmes de la vie. C'est pour ça que quand vous êtes à l'école, vous ne voudrez pas vous amuser. Maintenant, je termine par deux éléments. On a fait un sondage en île Maurice. Vous savez que la zone franche industrielle est très développée là-bas, non? Donc, on a fait un sondage au niveau des élèves du primaire, du secondaire 1, du secondaire 2. Après vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Comme je vous ai posé la question tout à l'heure, là, 99% des enfants ont dit « Je veux devenir chef d'entreprise ». On vient faire le sondage dans les pays africains. On pose la question aux élèves que je veux travailler dans la fonction publique. C'est pour ça que quand on lance un concours, on dit on cherche 1500 candidats, vous allez voir 35 000 dossiers. On cherche 1500, hein, 35 000. C'est pour ça que on vous demande que quand vous faites des choix pour être quelque chose demain, il faut faire trois choix, dont un sur l'entrepreneuriat. Au moins un sur l'entrepreneuriat. Très, très important. Maintenant, je termine par deux choses dont j'ai dit. Les erreurs des parents en matière d'orientation. Et le dernier élément, les erreurs des élèves en matière d'orientation. Alors, je prends côté parents d'abord avant d'aller aux élèves. Je voulais être médecin. Comme je n'ai pas pu être médecin, il faut que mon enfant fasse série D pour être médecin. Qui t'a dit que ton dessin est le dessin de ton enfant? J'ai une pharmacie, il faut que mon enfant fasse pharmacie pour venir prendre la relève de la pharmacie. Qui t'a dit que lui veut être pharmacien? Qui t'a dit ça en tant que parent? Donc, quand les parents imposent ce qu'ils veulent aux enfants, ça pose problème. Et ça m'amène rapidement à vous donner des exemples pratiques de chez nous. Qui connaît Feu Jimmy Hope? Feu Jimmy Hope. Vous avez entendu parler de lui, non? Très bien. Jimmy Hope a fait la série D et il excellait très bien dans les matières de base de la série D. Quand il a réussi au bac, son papa dit, tu veux faire la médecine. Par obéissance à papa, il est allé faire la médecine. Quand il a fini, il a pris le diplôme. Papa, prends ton diplôme. Ah, mais c'est lui qui a voulu, non? Oui. Papa, prends ton diplôme. C'est par obéissance qu'il est allé faire la série D. Prends ton diplôme. Maintenant, laisse-moi faire ce que mon cœur, ma passion me dit. Et l'enfant allait faire quoi? Il allait faire ce que nous, dans les pays francophones, particulièrement au Togo, nous appelons matière facultative. Il allait faire le dessin et la musique. C'est avec ça que Jimmy Hope a rayonné dans le monde. Il a gravé le nom du Togo dans le monde. C'est pour ça que la prochaine réforme là, toutes les matières dites facultatives dans notre système éducatif doivent être transformées en matières obligatoires. Vous allez dans les pays à côté ici. Vous avez le Ghana à côté ici. Vous êtes frontalier, non? Bien. Les petits Ghanéens là, est-ce que c'est avec les mathématiques, les philos là? C'est avec ça ils se débrouillent? C'est pas avec les matières dites facultatives ici? Donc, vous comprenez que nous devons changer les choses si nous voulons donner plus d'opportunités. Donc, ça c'est une des erreurs. Il y a au moins 7. J'ai lu ça dans le document. On n'a pas le temps de tout développer. Maintenant, les autres, c'est les erreurs des élèves. Quand vous allez lire le document là, il y a 15 erreurs au moins. Parce que j'ai arrêté les comptes. Hein. Sinon, je peux aller à plus l'infini. Vous les élèves là. Les erreurs des élèves en matière d'orientation. Une des erreurs, un, vous ne suivez pas l'actualité. Journal, ce n'est pas votre problème. Votre journal, c'est les conneries sur les WhatsApp là. C'est votre journal ça. Vous ne suivez pas les informations. Un jour, j'ai fait la même conférence quelque part, j'ai demandé à un élève, quand tu suis les documentaires et autres là sur la télé, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te choque? Et
L'enfant, le jeune se lève et dit, moi, quand je vois la manière dont on abat les arbres, on tue les animaux, vraiment, c'est ça qui me choque. Je dis, est-ce que tu sais ce que tu viens de me dire? Il dit non. Tu viens de me révéler ta vocation professionnelle. Tu viens de me dire que tu veux être quoi? Un ingénieur en protection de la faune et de la flore. Maintenant, quelle série on fait? Quelles sont les matières? Vous avez vu? Il faut retourner rapidement. Quelles sont les matières et autres là qu'on fait? C'est pour vous dire que vous n'avez pas compris ou peut-être qu'on ne vous a pas expliqué que votre destin de demain se trouve dans les matières. Votre avenir se trouve dans les matières. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous aviser quand vous êtes à l'école. Non. Quand vous êtes à l'école, c'est la concentration. Ce n'est pas par hasard que j'ai voulu bien vous expliquer la différence entre l'attention et la concentration et que, en tant qu'élève, c'est de la concentration qu'on attend de vous quand vous êtes devant un orateur, devant un enseignant, pour que vous puissiez bien maîtriser les choses. Une autre erreur, vous ne suivez pas les émissions ou alors, quand vous les suivez, je peux dire les émissions éducatives, ça peut être à la radio, ça peut être à la télé, quand vous les suivez, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, un bon élève qui veut réussir doit avoir ce qu'on appelle le carnet média, ou bien le cahier média, ou bien le cahier journal. Je vous montre deux documents. Vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas par hasard que le ministre a institué la conférence d'actualité. C'est pour ça que le directeur du régional de l'éducation, Plateau, où ça a été clair au début, que ce qu'on a fait, on est en train de faire avec vous, oui, c'est vrai, vous n'êtes pas en classe avec vos professeurs, mais ce que vous êtes en train d'apprendre, vous en avez besoin pour la vie. Vous en avez besoin pour la vie. Le professeur de mathématiques, ce n'est pas son travail de faire ce que nous sommes en train de faire, non. Le professeur d'anglais et autres, toute matière confondue, ce n'est pas son travail de faire ce que nous sommes en train de faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire appel, soit à des personnes retour. Ça peut être un des professeurs aussi qui maîtrise et qui le fasse. Ça peut être un parent, n'importe qui pour qui le fasse. Ce n'est pas forcément le réseau des journalistes. Non, ce n'est pas forcément nous. L'État a mis le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Ce centre, c'est de ce centre qu'on a affecté les spécialistes de l'orientation dans toutes les directions régionales de l'éducation. Et donc, ils ont produit trois documents. Le premier document, que faire sans le BPC? C'est-à-dire, quand les circonstances de la vie sont telles que tu n'as pas pu vraiment aller jusqu'au terminus, jusqu'au baccalauréat, là. Bon, est-ce que c'est fini pour toi? Tu vas te lever, te pavaner dans les rues? Non. Vous allez voir toutes les possibilités de formation que vous pouvez faire pour avoir les compétences opérationnelles pour créer vous-même ou bien vous faire recruter. Un autre document, c'est que faire avec le BPC. Mini guide post-BPC. Que faire avec le BPC. Si vous avez le BPC et que les circonstances de la vie vous disent, bon, je n'ai pas envie de continuer, est-ce que vous allez sortir de l'école pour être un homme dans la rue qui ne sert à rien? Non. Il y a des formations que tu peux faire. Et si tu lis ce document, tu as toutes les informations. Après, ils ont sorti un autre document. Que faire avec le baccalauréat, bac 2? Vous lisez là-bas. Vous allez comprendre que avoir le bac n'est pas forcément synonyme d'aller atterrir à l'université. Pas forcément. Donc, il y a plein d'informations. Maintenant, je leur ai dit, le ministre de l'enseignement primaire a institué les conférences d'actualité. Le réseau a fait des tournées au plan national. On n'a pas l'argent pour qu'ils viennent en délégation avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'anime une émission à la télé, venez animer des émissions document par document. Donc, on a fait une émission sur que faire sans le BPC. Il a tout expliqué. Le spécial a tout expliqué. On a fait une deuxième mission, que faire avec le BPC? On a fait une troisième mission, que faire avec le bac 2? On a tout expliqué. Maintenant, la question est de voir, comme vous n'avez pas suivi certaines émissions, parce que tout le monde n'a pas forcément pas la télé et autres, comment nous allons faire pour que ces documents-là soient accessibles à tous les apprenants du Togo? Fiche métier, ça c'est la direction de la formation professionnelle au niveau de l'enseignement technique qui a sorti le document. Tous les métiers, vous allez les voir. Je vais lire certains, vous allez voir. Je vais plutôt à la table des matières. Voilà. Phytosanté, apiculture, arboriculture, viculture, motoculture, gestion de la ferme, jardinage, maraîchage, maintenance et réparation des machines agricoles, pépinières, pisciculture, provenderie, conduite des tracteurs.
Il faut que vous ayez les informations d'abord, non? Ou bien c'est pas ça? Oui! C'est pourquoi je vous dis que la première acte, c'est de chercher les informations. Et les informations, on les cherche chez les spécialistes. On les cherche dans les documents. Et donc, j'ouvre rapidement une parenthèse pour vous faire une recommandation, celle que j'ai faite ailleurs. Vous allez, avec la complicité du proviseur, créer un groupe WhatsApp, un panel intitulé Conférence lycée Ouamé 2023-2024. Et toutes les émissions en lien avec le premier thème. C'est-à-dire, comme vous avez choisi comme premier thème l'orientation, voilà, toutes les émissions sur ces documents et même les documents même numériques, je vous verse tout ça sur la plateforme. De la même manière, les émissions en lien avec le deuxième thème que nous allons aborder très rapidement sur la culture de l'excellence appliquée aux élèves, ça aussi, je vais verser tout ça plus d'autres ressources numériques. On les appelle les ressources numériques. Les ressources numériques, c'est les émissions en audio, c'est les documents, c'est les émissions, les liens YouTube des émissions. Et donc, si vous avez tout ça, un élève, après ces conférences, qui a donné son numéro WhatsApp au proviseur pour qu'on mette, si tu n'as pas le numéro, si tes parents même ont le numéro, donne le numéro de tes parents au proviseur, on va mettre sur la plateforme. Et comme ça, c'est le portable du parent que tu vas utiliser pour, n'est-ce pas, avoir accès aux documents, aux informations, aux émissions. Et là, tu es informé. J'en ai fini avec la première thématique. Merci. Tu as une cible à atteindre. C'est pour ça qu'on vous dit, je n'ai pas, je vais finir, après je vais voir là. C'est comme ça que vous les avez, vous retournez souvent. Quand j'ai demandé aux enfants du préscolaire, eux, ils ont été précis et concis. Je suis allé poser la question à l'élève qui vient d'obtenir le bac. Il dit, bon, mon ami, tu viens d'obtenir le bac là, qu'est-ce que tu veux, tu vas faire? Ben, écoutez, ben, moi, il campus sa vie, ma cora. Il va aller explorer l'université, il va aller perdre le temps, il va aller perdre l'argent pour explorer hein, le campus comme un savornien de Brazza avant de voir ça à quoi s'accrocher. Non, c'est depuis le préscolaire. Tu as vu, les enfants du préscolaire là, tu as vu comment ils ont été précis? Normalement, comment la chose devait se passer? C'est déplorable que le carnet de correspondance ait disparu dans notre système éducatif. Sinon, normalement, c'est au jardin d'enfants. Dès que l'enfant, le matin, la jardinière lâche les enfants, chaque enfant va vers le coin. Il y a le coin boutique, coin infirmerie, coin art plastique, etc. Et la jardinière consigne, logiquement, devait consigner dans le carnet de correspondance, remettre aux parents. Le parent travaille avec le spécialiste de l'orientation et on va suivre l'enfant progressivement pour voir si l'enfant va confirmer après le choix qu'il a fait, oui ou non. Vous voyez? C'est comme ça que la chose devait se passer. Malheureusement, l'enfant là va quitter avec une idée précise sur ce qu'il va faire. Il arrive au primaire, on n'a jamais parlé d'orientation. Il arrive au secondaire 1, on n'a jamais parlé d'orientation. Il arrive au secondaire 2, on n'a jamais parlé d'orientation. Vous voyez? Quand vous prenez le document, moi aussi j'ai posé le document sur l'orientation, hein, il est là. Mais j'ai suivi les spécialistes d'orientation dans les écoles. En classe de terminale, un élève pose la question. Bon, que il a terminé A, hein, il pose la question sur l'orientation, que lui veut faire la médecine, comment il va faire? Série A. Est-ce que dans notre système éducatif, série A peut faire médecine? Mais en fait, à part de sa question, à l'époque, comme à l'époque, il n'y avait pas de spécialité d'orientation, voilà, c'est en ce moment que cette émission avait été animée. Et on va dire qu'il était victime d'un manquement qu'il y avait dans le système. Et c'est ce manquement, ce vide-là, que l'actuel ministre a essayé de combler en faisant tout pour que toutes les directions régionales de l'éducation aient au moins 3 spécialistes de l'orientation. Voilà le travail qu'il a fait et qui est un travail formidable. Vous voyez? Et donc, c'est à vous maintenant de profiter. C'est pour ça que les émissions dont je parle, que j'ai animé les émissions avec les spécialistes là, j'ai mis leurs contacts sur les émissions. Quand vous suivez les émissions, leurs contacts sont là. Ça veut dire que vous pouvez, par WhatsApp, converser directement avec eux, leur poser directement les questions. Ce n'est pas moi. Donc, mon cher, à part de ta question, voilà la réponse. Tu veux devenir informaticien. Ça, c'est un des problèmes de la vie. Ça, c'est l'objectif secondaire. Mais c'est l'objectif premier qui va te permettre d'être ce que tu veux être demain. Et donc, à partir de là, tu retournes vers les matières qui peuvent te permettre d'être informaticien. Tu vas travailler avec les spécialistes de l'orientation. C'est eux qui vont te dire, si tu veux être un informaticien, d'abord, tu n'as pas encore bien parlé. Tu veux embrasser les métiers du numérique.
c'est-à-dire informatique appliquée à. C'est informatique appliquée à. Oui. On applique l'informatique à tout aujourd'hui. Et il y a aussi les métiers du numérique aujourd'hui. Plus d'un million de métiers du numérique. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas fréquenter et puis résoudre tous les problèmes de la vie. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Un jour, je suivais ma collègue Liz qui anime l'émission Le Balan. Et elle a reçu une dame dont la maman est docteur. La dame dit que ma maman était docteur, j'allais à l'hôpital. Mais quand je suis allé à l'hôpital, je me suis dit que moi, je vais embrasser une carrière pour réduire le nombre de ceux qui vont à l'hôpital. Qu'est-ce qui amène les gens à l'hôpital? Qu'est-ce qui amène les gens à l'hôpital? Les maladies, n'est-ce pas? Il y a les catastrophes naturelles qui amènent aussi les gens à l'hôpital. Il y a les catastrophes créées par l'homme qui amènent les gens à l'hôpital. Et donc, elle est allée faire un master en gestion et prévention des catastrophes. Tu as vu? Oui. Donc, tu ne peux pas aller à l'école et faire tout dans la vie. Ce n'est pas possible. Tout le monde n'est pas possible. Ce que tu comptes viser, c'est ta priorité. Et à partir de là, tu peux résoudre quelques problèmes. Mais tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Voilà. C'est pour ça que Dieu a voulu que nous soyons nombreux. Chacun prend une part pour contribuer à l'humanité. Au cours de cette conférence, j'ai pu retenir qu'il y a plusieurs catégories d'élèves. Comment vivre pour pouvoir réaliser ses rêves de demain? Nous tous, on vient à l'école, mais on ne connaît pas la raison pour laquelle nous sommes venus à l'école. Aujourd'hui, on nous a fait savoir que pour venir à l'école, il faut avoir des objectifs. Moi, j'ai retenu plusieurs choses. On investit. Si on investit, on doit avoir un retour.